Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie à chacun de nous depuis ce matin jusqu'à ce soir. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé, amen, amen. Pardonne-nous de nos péchés à chacun de nous jusqu'à maintenant, amen. Purifie-nous. Donne-nous la force, le courage, toujours de louer, de glorifier, t'adorer, de lire l'évangile. Amen. De partager ton évangile avec d'autres personnes, nos parents, nos amis, nos connaissances, nos enfants, tout le monde qui nous entoure. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Amen. Ce soir, je veux vous parler. Tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de devenir. Écoute, c'est sûr. Avant de vous parler, je demande un SOS pour ma copine Blanche qui est hospitalisée à l'hôpital CHU de Brazzaville. Je suis la servante Firmine. Et ma copine, nous nous connaissons depuis l'école primaire. Elle s'appelle Blanche. Elle souffre de l'ulcère, donc de l'estomac. Donc, elle demande de l'aide parce qu'elle ne peut plus payer ses ordonnances et les prescriptions d'ordonnances qui continuent, sans oublier les échographies et les examens de coloscopie et autres. Sans oublier l'hôpital qu'elle doit payer quand elle sortira de l'hôpital. Ça fait 3 jours qu'elle est hospitalisée à l'hôpital. Donc, vous pouvez me contacter. Comme ça, je vous donnerai le numéro de sa fille qui s'occupe d'elle et qui est tout le temps à l'hôpital auprès de sa maman. Si je vous demande ce SOS pour l'aider, parce que moi-même, je ne peux pas. Elle m'a demandé, mais je ne peux pas. Je habite ici en France, mais comme il y a eu ma sœur, ma grande sœur qui est décédée, donc fallait organiser les funérailles ici et au pays, c'était pas facile pour moi. Sans oublier, j'attends mon salaire. Mais ce salaire-là, je peux pas l'aider encore. Pourquoi? Parce qu'il y a la profession de foi de notre fils et après, il y a le retrait de deuil de notre maman et toute la famille là-bas réunie au pays. Donc, c'est pour cela. J'ai préféré vous demander de l'aide, demander à mon entourage, à mes amis, à mes connaissances, ainsi que à ma famille, ceux qui peuvent l'aider. Alors, pour me contacter, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent mon numéro, mais je vous le donne encore, surtout ceux qui viennent d'arriver dans notre chaîne Servante de Dieu, Firmine TV. Mon numéro, c'est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu, Firmine, catholique, comme nous tous les cathos. Merci beaucoup. Pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs qui pourront faire ce geste de l'aider. Pour ceux qui ne peuvent pas l'aider financièrement, prier pour elle. Elle s'appelle Blanche et sa fille s'appelle Landria, qui a son cheveu, qui souffre, qui est vraiment triste, découragée. Mais je la fortifie en lui disant, ça va aller, le bon Dieu va aider ta maman va guérir. Amen, amen. Alors, écoute ceci. Tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de devenir. Tu n'as pas idée de ce que tu es capable, de ce que tu es capable de devenir. Et oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de devenir. Et accomplir, il y a une vie extraordinaire à l'intérieur de toi. Cette vie, en fait, n'est pas dans ton futur.
Elle est en toi. Elle est emmagasinée dans ton esprit. Et un trésor extraordinaire. Tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de devenir, sauf que tu es tellement conscient de ton corps que tu ne te rends pas compte du potentiel de ton esprit. Et pour cette vie-là, il va falloir payer un prix. Accepter de perdre ta vie d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est perdre tes habitudes, perdre certaines relations, réorienter ton temps, ta vie d'aujourd'hui et composer des habitudes, des systèmes de pensée, des raisonnements. Dieu a une vie pour toi, mais tu ne peux pas le vivre. Tant que tu ne perds pas cette vie, il y a une vie que tu dois gagner. Celui qui veut venir à moi aujourd'hui renonce à lui-même. Et oui, Dieu nous dit, celui qui veut venir à moi aujourd'hui renonce à lui-même. Pourquoi? Parce que toutes tes habitudes qui ne sont pas bien devant notre Dieu, tu dois renoncer. Être seulement là à vouloir avoir une vie qui ne te ressemble pas, à vouloir tout avoir alors que le temps ne t'a pas permis. Et après, tu vas faire n'importe quoi pour gagner cette vie-là, que tu ne mérites pas la façon dont tu l'as gagnée. Je ne veux pas rentrer dans le détail, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a d'autres qui vendent leur corps pour avoir de l'argent. Il y a d'autres qui se sacrifient. Aller faire du n'importe quoi pour avoir de l'argent. Donc, tout ça, là, ça englobe la vie que tu dois laisser pour suivre notre Seigneur Dieu. Parce que celui qui veut sauver sa vie, la perdra. La sauvera ou encore la trouvera. Pourquoi? Parce que quand nous allons nous attacher à notre Dieu, quand tu vas t'attacher à notre Dieu, quand nous tous, on va rester là pour prier notre Dieu, on doit s'agenouiller. Même si on ne peut pas s'agenouiller, on s'assoit. Mais on prie notre Dieu, on pleure, on demande la miséricorde de notre Dieu. Dieu va venir à notre secours. Dieu va venir à ton secours. Dieu va venir pour t'épargner de tout ce qui n'est pas bien. Dans le trou où tu étais, il va te sortir de là. En quoi faisons? En te disant, ma fille ou mon fils, c'est moi qui a voulu que tu puisses venir au monde en tant qu'être humain. Arrête tout ce que tu es en train de faire. Je pardonne tous tes péchés et je veux que tu reviennes dans ma maison. Et c'est pour cela que tu vas être libéré. Si tu ne peux pas te libérer, confie-toi à Dieu. Dieu va te libérer. Tu vas retrouver le bon chemin. Le chemin que notre Dieu a tracé pour toi, a tracé pour nous tous. Pour que nous puissions être avec lui le jour que nous serons au paradis, dans sa maison, dans sa demeure, parce que nous sommes ses enfants, parce qu'il nous aime tellement qu'il nous a créés à son image. Il nous a aimés le premier. Donc, nos destinées sont dans les mains de notre Seigneur. C'est pour cela, c'est lui qui est le premier et le dernier maître sur cette terre. Il est Alpha et Oméga. Et c'est lui qui détient le souffle de vie de chacun de nous. Je dis bien, c'est lui qui détient le souffle de vie de chacun de nous. Amen, amen. Et oui, il est là pour nous, pour moi, pour toi, pour lui, pour nos enfants, pour nos familles. Il est là pour nous. Il ne nous abandonne pas. Même dans les moments de tristesse, même dans les moments de souffrance, il est là pour nous, pour venir à notre secours, pour faire des miracles, pour nous guérir et pour nous guider et nous donner tout ce qu'on a envie de demander à lui. Et à lui, il nous donnera. Même s'il ne donne pas aujourd'hui, il ne donne pas demain, il ne donne pas dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, mais sache qu'il va donner. Il va donner parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, il ne faut pas envier. N'envie pas ce que l'autre a. Toi aussi, tu auras pour toi. Ne fais du mal à personne pour que toi aussi, Dieu puisse te bénir, te donner aussi. Sois seulement sage. Garde seulement silence. Dieu va combattre pour toi.
tu auras tout ce que tu veux. Parce que notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu, c'est un Dieu de vérité. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait des miracles. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous guérit, qui nous donne à manger. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui nous donne à boire. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous surveille même quand on dort. Il y a d'autres personnes qui dorment déjà. Et nous qui allons dormir, Dieu sera là pour nous. Amen, amen. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. N'oublie pas, tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de devenir. Amen, amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Pour ceux qui se sont déjà abonnés, merci. Restons toujours en union de prière avec notre Dieu. Recevons-nous tous plein de bénédictions venant de notre Dieu, les grâces venant de notre Dieu. Amen, amen. Je vous aime dans le nom du Tout-Puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous souhaite toujours une bonne continuation de notre carême. Et demain, ça sera la messe des rameaux. Amen, amen.